Sabe, então, se compreendem tudo aujourd'hui? Não, attends, je recommence. Sabe, então, se compreendem du monde qui sont un petit peu trop musclés? Oui. Ça dérange pas que tu sois musclé, ça me dérange pas. Ça me dérange pas que tu t'entraînes 24 heures sur 24. Ben, je m'en calisse que ça te tente pas d'en parler. Moi, ça me tente. Pis pour ceux que ça leur décalisse que je sois encore dans ma douche, ben, Colin, devine, change de vidéo. Change de page. Au pire, va sur le Facebook de ton ex pis va checker que c'est qu'il fait. Parce que je suis dans ma douche pis ça me tente de faire une vidéo. Ok. Moi, là, je comprends les filles qui sortent avec des messieurs muscles. Pourquoi? Non, je suis pas un accro de douchebag. J'aime pas les gars musclés, ça me décolisse. Moi, j'aime ça des bédèmes. Tu sais, quand tu fais le lavage, pis que tu sais pas si c'est ton chandail ou le chandail de ton chum qui met quand il s'en va au gym. Et des petites bretelles. Quel titre qui sort? Tu te sens seul au monde. Ouais, ouais. Tu manges pas la même affaire que eux. Hey, bébé, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu peux oublier cette phrase-là dans ton couple. Parce que jamais vous allez manger à la même heure et en même temps. Comme un couple normal. Oh, puis quand je dis que ils mangent pas la même affaire que toi, dans le fond, ça mange des amandes. 15 amandes à telle heure. Un petit bout de fromage à telle heure. Son chien en se réveillant le matin. Puis qu'est-ce qu'il mange le plus dans une journée? Matin, midi et soir. La viande de cheval. Du cheval de barnache. Du cheval. Tu sais, là. La viande qui pue le plus au monde. Vous allez me dire, oh, mais non, c'est tellement la viande la plus bonne au monde. Mais c'est dégueulasse, parce qu'à chaque fois qu'il nous la livre, là, ou qu'il va la chercher au Maxi, là, ou au Géo, au métro, là, puis qu'il a commandé ça 30 minutes à l'avance, là, ben, calisse, à chaque fois qu'il la mange, il chie pendant 45 minutes, parce qu'elle est dégueulasse, puis elle est passée date, son esti de viande de cheval. Oh, et puis si j'ai autant d'attitude que ça dans cette vidéo-là, là, c'est juste parce que... Si t'es pas capable là, de handle la tête quand tu te piques dans la cuisse, dans la fesse ou dans l'épaule, ben calisse, pique-toi dans la tête, esti. Ah, peut-être t'aider. Ça avait l'air d'une gang de moumoune. Non, ok, je recommence. Vous êtes un petit peu trop émotif. Vous aimez un peu trop. Puis tout ce que vous voulez dans votre calisse de vie, c'est du cul, du cul, du cul, du cul, du cul, puis du cul, puis du cul, puis du sexe, ok? C'est quoi ça? Oh oui, pis y a ça quand que vous chiez 6 fois par jour aussi. Pis vous coûtez cher de papier de toilette à 6 bolac. Je me fais des amis dans cette vidéo-là, c'est incroyable. Je le sens. Il faut que je cache mes palettes de chocolat. Ça, c'est sa face quand il voit une palette de chocolat, ok? Cache-la, fais quelque chose! Mon Dieu, c'est ça que je peux pas manger ça! Pis là... Il prend une bouchée. Puis il s'auto sent mal d'avoir pris une bouchée de la palette de chocolat. Il la recrache. La recrache. Et puis en passant, là, ton cheval, là. On s'entend-tu qu'il y a des chevaux qui font de la course, qui sont en forme pis tout. Mais les chevaux qui prennent pour abattre, pis de faire de la bouffe avec, il doit pas être très, très, très en forme. Le cheat, la journée de cheat. Oh, tabarnouche, hostie, seul party, tout le monde tout nu. Colin, on vient de gagner 1 million, on est fou comme la merde. Ça va manger 50 plats de pâtes. Il va acheter 45 barres de chocolat. Tu sais, la barre de chocolat qu'il crachait la semaine passée, là. Ça, c'est lui, OK. Il va s'endormir. Il va se réveiller, il va manger la barre de chocolat, il va s'endormir. Il va penser qu'il y a une autre barre de chocolat, il va reprendre la barre de chocolat. Il va manger, il va se rendormir, il va se dire, ah si, j'ai le ventre plein, j'ai chié 50 fois. Il faut que je mange mon autre barre de chocolat. Il m'en reste une. Ah si, il y a bouffe qu'on laisse. Il a bouffé la petite barre de chocolat. Il a chié sa vie. Il est gonflé comme la merde. Puis il faut qu'il bouffe là. C'est ça.
parce que dans 2 heures, son cheat day, il se termine. Il dort dans le chocolat, si, puis il reste assis une barre de chocolat. Il faut qu'elle mange la barre de chocolat. Tu comprends-tu ça? You eat the chocolate or you're dying. Even if you're sleeping, you eat the chocolate. Puis quand tu pètes, excusez-le. Excusez-le. J'ai l'impression qu'il a pourri de l'intérieur pendant des années, puis qu'il débouche. Ouais. Puis en passant là, la vidéo. Je fais plein de vidéos, moi. Hein? Je fais plein de vidéos, pas énerver personne. Moi, je fais une vidéo. C'est pas le sens de le mot. Retourne sur la page de ton ex. Tu vas checker ce que c'est en train de faire, ok?